aidé aussi de changer mon habillement. Maintenant, je ne mets plus de maquillage. Je ne porte plus les pantalons. Et je ne mets plus des accessoires. Les boucles d'oreilles. C'était pas facile. Parce que quand je suis en Tunisie, ils me prennent pour une paysanne. Ils me disent, nous sommes en 2013. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu te fais souffrir comme ça? Ma réponse, c'est, j'ai mes principes à moi. Parce que je ne peux pas dire que je suis chrétienne pour ne pas avoir des problèmes avec l'État tunisien. Ma famille jusqu'à maintenant n'apprécie pas du tout mon habillement. Et elles ne sont pas d'accord d'être chrétienne. À un certain moment, j'étais rejetée par ma famille. Jusqu'à maintenant, je ne suis plus avec eux. Ils m'ont mis entre deux choix. Soit ma famille. Soit la position que j'ai prise de suivre Jésus-Christ en tant que mon sauveur et mon Seigneur. Et sincèrement, j'aimerais bien vous dire, mes frères et sœurs, c'est vrai, je respecte mes parents et je les aime beaucoup. Et je prie beaucoup pour eux. Mais je ne peux pas perdre mon âme à cause de mes parents. Pour mon salut, je ne peux pas les suivre. Et si pour cette raison, j'ai pris la décision de venir à Kin et de me baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, sans l'accord de mes parents, ils ne savent même pas que je suis ici. Ce que j'ai appris en tant que chrétienne, comme le prophète et le pasteur ont toujours parlé, la persévérance. Je dois persévérer jusqu'à la fin. Et peu importe les situations ou bien les difficultés que je passe, comme la chanson dit, j'irai jusqu'au bout. Je peux dire, même un jour, si quelqu'un veut me tuer au nom de Jésus-Christ, je suis prêt de donner ma vie en lui. De mélanger mon sang avec le sang de Jean-Baptiste. Et bien sûr, comme le pasteur Oussou aussi a toujours parlé, dernièrement, il a parlé dans sa prédication « Mes ambitions ». Il a beaucoup insisté concernant l'habillement et la conduite, surtout pour les filles. Et pendant la prière ici, il a demandé quelque chose aux frères et sœurs qui sont là. De les promettre d'être une bonne fille. Et aujourd'hui, je vous regarde, pasteur. Comme je vous ai promis en Tunisie, mais vous ne m'avez pas écouté. Vous étiez loin. J'aimerais bien vous dire aujourd'hui, je veux promets, pasteur. Je serai une bonne fille. Une fille qui se conduit correctement. Une fille qui demande la volonté de Dieu avant de demander ce qu'elle veut. Une fille qui va persévérer jusqu'à la fin. Une fille qui sait prendre une décision. Quand vous avez dit, nous sommes dans le temps du jubilé. Nous sommes dans le temps de décision. On doit prendre une décision pour sauver nos âmes. Et j'aimerais bien vous dire, pasteur, je vous promets aussi
que je serai une fille qui a un objectif dans sa vie. Elle sait pourquoi elle est là, pourquoi elle est dans ce monde. C'est de suivre Jésus-Christ avec toute son âme. Et d'obéir à la parole de Dieu. Aussi d'obéir au pasteur. Et au prophète William Marion Branham. Que le Seigneur vous bénisse.